l'univers, personne comme toi. Non, 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 non. Tu es le lion de la tribu de Judas, digne d'être élevé, digne d'être célébré, digne d'être acclamé dans l'assemblée des ténèbres. Personne n'est comme toi, tu es le roi des rois, et nous voulons célébrer ton nom. Avec nos yeux physiques, nous ne pouvons te voir, mais nous voyons le fruit de ton amour. Nous voyons tes œuvres, et elles sont merveilleuses, et elles sont magnifiques, elles sont resplendissantes. Lorsque je vois la vie de ma sœur, la vie de mon frère, lorsque je compare sa vie aujourd'hui et ce qu'il était hier, je peux dire oui, tu es vivant. Je peux proclamer que tu es fidèle. Car toi seul étais capable de faire une œuvre dans sa vie. Toi seul étais capable de la relever comme tu l'as relevée. Toi seul étais capable de changer le cœur de mon frère comme tu l'as changé. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom.
Notre Dieu.
notre Dieu. C'est dans ce genre d'atmosphère que la guérison est saisissable. C'est dans ce genre d'atmosphère que la libération est saisissable. Prodige, je le vois. Oh non. Tu l'appelles merveilleux, il devient merveilleux dans ta vie. Lorsque tu l'appelles merveilleux, il se manifeste comme étant merveilleux pour toi. Prodige, le bon, ton nom si grand, au dernier, toute l'assemblée, rien que l'assemblée. Adorer.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Ta lumière brille sur moi. Ta lumière brille sur moi. Ta lumière brille. Ta lumière brille. Ta lumière brille. Elle brille sur moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Ta lumière brille sur moi. Ton amour m'enveloppe. Ta lumière brille sur moi. Jésus, ta lumière brille sur moi. Non, 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 je ne crains rien dans tes bras. Je suis confiant auprès de toi. Je marche dans le couloir de ma destinée, car ta lumière brille sur moi. Ah, 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 ta lumière brille sur moi. Ta lumière brille sur moi. Tous les jours de ma vie, je vois que ta lumière brille sur moi. Non, non, je n'ai pas peur du lendemain. Car ma vie est entre tes mains. Tu es le Dieu de ma vie, le roi de mon cœur. Je n'ai pas peur, ta lumière brille sur moi. Ta lumière, ta lumière. Ma vie, je veux me rappeler.
tu le dire de tout ton cœur. Encore une fois, je veux le dire, le répéter. Sur la vie de ma femme, de mes enfants. Elle brille sur l'église, sur ma vie, sur ma santé, ta lumière. Dans mes finances, dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées. Ta lumière brille sur Isis et ses devoirs. Elle brille. Tu ne dois pas perdre espoir. Le Seigneur me dit de te dire, ne perds pas espoir. Tu es dans un grand désarroi. Tu as même hésité à venir ce matin. Tu aimes Dieu, mais face à cette situation que tu traverses, il t'arrive parfois de douter de l'amour de Dieu à ton égard. Le Seigneur te dit que tu verras sa lumière. Elle brille déjà sur toi. Tu verras sa lumière. N'abandonne pas. Ne laisse pas ton âme être gagnée par le doute, par l'inquiétude et par la peur. Parce que si tu laisses ton âme être gagnée par ce sentiment, Dieu ne pourra pas agir. Il lui faut ta foi. Présente-lui ta foi.
C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Je parle à quelqu'un. Présente-lui ta foi. Présente-lui ta foi. Présente-lui la piste d'atterrissage de ta foi afin qu'il puisse venir de manière glorieuse dans ta vie. Et tu seras un témoin de l'amour et de la fidélité de Dieu. Ne baisse pas les bras. Sa lumière brille sur toi. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu es digne. Tu es magnifique. Tu es merveilleux. Et nous voulons encore une fois t'acclamer, faire monter vers toi des acclamations vigoureuses. Parce que tu es digne de les recevoir. Ah. Tourne-toi vers un voisin et dis-lui, sa lumière brille sur toi. Tourne-toi vers un autre voisin et dis-lui, toi aussi, sa lumière brille sur toi. Alléluia. Ah, pouvons-nous encore acclamer le Seigneur avant de prendre place? Nous voulons prendre place. Merci Seigneur. Merci Père. Je crois que c'est déjà fait, mais s'il te plaît, salue encore ton voisin, salue encore ta voisine. Dis-lui une parole encourageante, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Alléluia. Dis-lui quelque chose. Merci Seigneur. Nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas simplement nous reposer sur les exploits d'hier. Nous allons continuer à faire des exploits. Amen. Alléluia. Ah, que quelqu'un dise merci Seigneur. Ta lumière brille sur moi. Je ne dois jamais l'oublier. Amen. S'il te plaît, enfin ma soeur, tourne-toi vers un voisin. Tu as déjà vu plusieurs voisins, tu vois ceux qui sont les plus sympathiques, les plus accueillants. Tourne-toi vers un voisin et dis-lui, il te faut l'onction. Dis-lui, il te faut l'onction. Dis-lui. N'hésite pas. Tu sais, il y a toujours des voisins qui sont froids, qui ont une attitude froide, tu vois, un visage fermé. Mais ce n'est pas grave. Toi, apporte-lui la vie. Dis-lui, il te faut l'onction. Alléluia. Dis avec moi, il me faut l'onction. Il me faut l'onction. Alléluia. La semaine dernière, nous avons continué à parler de l'onction parce que ce que nous voulons, c'est comprendre l'onction. Que quelqu'un dise comprendre l'onction. L'onction, nous avons expliqué que l'onction, c'était d'abord une personne. Amen. L'onction, c'est d'abord une personne. Lorsqu'on parle de l'onction, il faut bien expliquer, il faut prendre le temps de bien expliquer, parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de confusion lorsqu'on parle de l'onction. Certains disent que l'onction, c'est quand on te touche, tu tombes par terre. D'autres disent que l'onction, c'est quand on invoque le feu de Dieu et le feu descend. Bon, il y a toutes sortes de choses. Certaines sont vraies, certaines ne sont pas totalement vraies, certaines sont incomplètes. Et ce que nous voulons, c'est que le Seigneur nous enseigne par rapport à l'onction. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut l'onction. Alléluia ! Il nous faut l'onction. Nous avons expliqué depuis plusieurs semaines déjà que dans notre relation avec le Saint-Esprit, il y a quatre étapes ou encore quatre niveaux. Dis-moi Amen si c'est vrai. Dis-moi Amen si tu as compris ça. Il y a quatre niveaux. Le premier niveau de notre relation avec le Saint-Esprit, c'est lorsque nous naissons de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça, c'est le début de la vie chrétienne véritable. La vie chrétienne ne commence pas lorsque tu nais au sein d'une famille chrétienne. Naître au sein d'une famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. Naître au sein d'une famille chrétienne ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Naître au sein d'une famille chrétienne ne te fait pas échapper à l'enfer éternel. Tu peux naître au sein d'une famille chrétienne sans connaître Dieu. Tu peux avoir un comportement religieux. Tu accompagnes les membres de ta famille à l'église, tu vas à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, et même ici, il y a des gens qui sont là, tu m'écoutes, tu es là, mais tu ne connais pas Dieu.
Et lorsqu'on parle de l'onction, en fait, l'onction ne te concerne pas, ou plutôt ne te concerne pas encore. Alléluia. Tu dois d'abord passer par la première étape, l'étape qui te fait passer de l'état d'une créature de Dieu à l'étape d'un enfant de Dieu. Et nous avons expliqué que cette étape s'appelle la nouvelle naissance. C'est lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est lorsque tu reçois, lorsque tu saisis la main du Père, la main du Père qui a été tendue depuis environ 2000 ans. Et cette main s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie à suivre pour être sauvé. Or, chacun de nous a besoin d'être sauvé. Nous avons besoin d'être sauvés. Être sauvé de quoi? Être sauvé de la condamnation éternelle. Être sauvé de quoi? Être sauvé de la vie, ou plutôt de la mort éternelle. C'est une vie qui est éloignée de Dieu pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Et aucun être humain ne peut s'habituer à l'enfer. On ne s'habitue pas à l'enfer. Et lorsqu'on lit la Bible, nous constatons qu'il y a des personnes qui sont en enfer durant toute leur vie. Elles ont rejeté Christ, elles ont rejeté Jésus-Christ, elles ont même engagé toutes sortes d'actions contre ce que le Seigneur était en train de faire. Et alors qu'elles arrivent en enfer et qu'elles réalisent qu'elles ne verront jamais la face de Dieu pour toute l'éternité, ces personnes deviennent les premiers évangélistes. Ils deviennent des évangélistes en enfer. Ils ont rejeté Jésus-Christ toute leur vie et arrivés en enfer, ils deviennent des évangélistes. Il faut voir, il faut lire la Bible. La Bible parle d'un pauvre, Lazare, qui est mort et qui a été emmené, dans le sein d'Abraham. Dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Aujourd'hui, le sein d'Abraham n'existe plus. C'est le paradis. C'est le paradis. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, tu vas directement au ciel, tu vas directement au paradis. Il y avait le sein d'Abraham à l'époque. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore payé le prix à la croix. Mais ce que je dis, ce n'est même pas ça. Je ne parle même pas du sein d'Abraham. Ce que je dis, c'est qu'il y avait en enfer, dans le séjour des morts, qui n'est pas dans le sein d'Abraham, en enfer, des gens qui n'étaient pas dans le sein d'Abraham, un homme riche, la Bible dit un homme riche, qui a demandé, il voyait, il ne pouvait pas atteindre Abraham. Il était dans le sein d'Abraham avec le pauvre. Et puis il demande de l'aide. Il dit, mais j'ai soif, je souffre cruellement. Je souffre cruellement dans cette flamme. Est-ce que tu peux me donner un peu à boire? Et puis Abraham lui répond, mais c'est pas possible. Toi, tu es parti en enfer. Et il dit, est-ce que tu peux aller? Ça, c'est l'homme riche, hein, qui a rejeté Dieu toute sa vie. Et il dit à Abraham, est-ce que tu peux quitter ce lieu-là pour aller dans ma maison, pour aller voir mes frères? Parce que j'ai des frères, ils vivent comme je vivais, dans le désordre. Ils vivent vraiment une vie éloignée de Dieu. Et moi, je ne veux pas qu'ils viennent me rejoindre ici. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un évangéliste. Un missionnaire. Quelqu'un me suit ou pas? Dis à un voisin, il faut expérimenter la première étape. Parce que tôt ou tard, gloire à Dieu si tu l'as déjà fait, mais tôt ou tard, tu t'inclineras devant la Seigneurie de Jésus-Christ. Tôt ou tard, tu reconnaîtras qu'il est Dieu et Seigneur. Mais il vaut mieux le reconnaître maintenant. Maintenant. Parfois, on entend des gens qui disent, oui, de toute façon, moi, je vais, c'est pas grave, l'homme s'habitue à toutes les situations. L'homme est capable de vivre en Antarctique, au pôle Nord, dans le désert, dans l'espace, dans les sous-marins. L'homme s'habitue à tout. Mon ami, tu ne peux pas t'habituer à l'enfer. Alléluia. Tu ne peux pas. Il te faut expérimenter ce premier niveau de relation avec le Saint-Esprit
ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu ne crois pas simplement, la nouvelle naissance, pour pouvoir naître de nouveau, ce n'est pas simplement croire qu'il y a un Dieu qui existe, croire qu'il y a un être supérieur, ce n'est pas ça. C'est croire que Dieu existe, c'est vrai, mais c'est aussi prendre, accepter, recevoir le bras tendu du Père, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et tu dois confesser, la Bible dit, tu dois confesser de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur. Amen. Et quand tu le fais de manière sincère, la Bible est claire là-dessus, tu deviens automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans ton homme intérieur, dans ton véritable toi. Le toi que l'on voit, le corps que l'on voit, la tête que l'on voit, ce n'est pas véritablement toi. Tu te regardes tous les jours dans le miroir. Miroir, qui est la plus belle? Il y en a d'autres, qui est le plus beau? Miroir. Mon ami, ça là, ça va retourner à la poussière. Ton véritable toi, il n'y a pas l'aspect que tu as là. Amen. Et donc, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu nais de nouveau. Ça se passe à l'intérieur, ça se passe dans ton véritable toi, dans l'homme spirituel, dans l'homme intérieur. Et donc, ton nom est inscrit dans le livre de vie et tu es maintenant sauvé. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu n'es plus simplement créature de Dieu, mais tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dis-moi amen. Je sais que tu le sais déjà, mais il faut le répéter souvent. Et puis il y a d'autres qui viennent qui ne le savent pas. Donc il faut le dire. Surtout quand le Saint-Esprit dit de le dire. Et donc lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es maintenant sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'iras pas en enfer. Dis avec moi, je n'irai pas en enfer. Je n'irai pas en enfer. En tout cas, voisin, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'irai pas en enfer. Je n'irai pas là-bas. Je ne visiterai même pas. Ce n'est pas un lieu touristique. Je ne visiterai pas. Moi, je dis ça parce qu'il y a des gens qui font des visites de prison, des grandes prisons, des Alcatraz, des choses comme ça. Ils vont visiter là. Je n'irai même pas visiter. Il n'y a aucun intérêt. Aucun. Et donc, tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et donc, maintenant, c'est... En fait, quand tu nais de nouveau, ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça veut dire, au contraire, que tout commence pour toi. Alléluia. Et c'est dramatique de voir des chrétiens, bon, à partir du moment où ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, ça y est, pour eux, c'est bon. Pour eux, voilà, tout est fait, voilà, il n'y a plus rien à faire. Mais non, en fait, lorsque tu nais de nouveau, maintenant, tu peux connecter au plan que Dieu avait prévu pour toi. Tu peux connecter à ce plan-là et avancer dans le couloir de ta destinée. Mais c'est triste de voir que beaucoup de chrétiens restent uniquement au statut de sauvé, juste sauvé. Dis à un voisin, ne t'arrête pas là. T'arrêtes pas là. Tu es sauvé, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et maintenant, il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et pour te laisser conduire par le Saint-Esprit, il faut d'abord que tu passes par une étape, la deuxième étape qu'on appelle le remplissage de l'Esprit-Saint. Alléluia! Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas juste être une chrétienne sauvée, un chrétien, bon, tu es sauvé, mais tu es encore, tu vois, dans des murmures, dans des critiques, dans des bouderies. C'est-à-dire que tu pourrais gagner le prix Nobel du boudeur ou de la boudeuse. Il y a des gens, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Tu es là tous les dimanches. Tous les dimanches, tu es là. Tu vas au groupe d'impact le jeudi. Tu viens un soir par semaine pour le programme dans sa présence. Tu jeûnes, tu pries. Le vendredi soir, atmosphère de gloire, tu es là. Et dès qu'on te fait une remarque, tu boudes. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être rempli aussi. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est alors que tu manifestes ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Tu manifestes le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, il y a un seul fruit de l'Esprit, il n'y a pas plusieurs fruits de l'Esprit. Il y a un seul fruit de l'Esprit qui a plusieurs tranches. Parmi ces tranches, il y a l'amour, il y a la patience, il y a la bonté. Que quelqu'un les amène. Alléluia. Il y a tout ça. Il y a la fidélité, tout ça. Il y a la tempérance. Tout ça, c'est dans le fruit de l'Esprit. Et c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit qu'on voit se manifester le fruit de l'Esprit dans ta vie. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas juste à la première étape. Non, dis-lui, parce que lui, il a vraiment besoin d'entendre ça. Eh oui.
Ne t'arrête pas à la première étape. Tu dois maintenant être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, le bénéfice de cela, il est d'abord pour toi-même. Alléluia. Il est d'abord pour toi-même et puis après un peu aussi pour les autres. Parce que quand tu es tempéré, tout le monde autour de toi aussi, ça va. Amen. Mais encore, tu dois comprendre que tu ne peux pas t'arrêter à cette étape-là. C'est la deuxième étape de notre relation avec le Saint-Esprit. Tu es né de l'Esprit, ensuite rempli du Saint-Esprit, mais maintenant tu dois chercher à être conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que tu as un parcours à faire. Dis ça à un voisin. Aujourd'hui, tu vas parler à un voisin, aujourd'hui, en tout cas. Même s'il n'aime pas ta voix, tu le dis lui déjà, mais en tout cas, tu vas m'entendre. Aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur qui prêche, c'est moi qui vais te prêcher. Alléluia ! Alléluia ! Tu es rempli, mais c'est bien d'être rempli. Amen. Mais maintenant, tu dois aller. Tu dois aller dans le couloir, tu dois avancer dans le couloir de ta destinée. C'est-à-dire, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le couloir de ta destinée. Dieu peut te donner. Il te donne, il te révèle là où il veut t'emmener. Il te révèle. Amen. Il te révèle. Dieu révèle le but de notre existence. Si tu ne connais pas encore le but de ton existence, demande à Dieu, tu ne peux pas vivre comme ça. Comment tu peux vivre sans connaître le but de ton existence? Les années passent, les cheveux tombent, ils changent de couleur. Tu menaces ton ventre, mais même malgré tes menaces, au nom de Jésus, rentre. Il ne rentre pas. Et les années passent et tu ne connais pas. Tu ne sais pas le pourquoi tu as été appelé. C'est dramatique. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. Et tu dois connaître ce but. Et même quand Dieu te révèle ce but, et c'est ce qu'il fait. Amen. Quand Dieu te révèle ce but, maintenant, il y a une chose que tu ne connais pas, c'est le chemin. Et c'est le Saint-Esprit qui va maintenant te conduire dans le couloir de ta destinée, t'amener à faire les œuvres que Dieu a prévues que tu fasses et t'amener à atteindre ta destinée. Alléluia, c'est ça. Dis à un voisin, c'est ça que je veux vivre. Et dis-lui, c'est ça que tu dois vivre toi aussi. Tu ne veux pas te contenter d'être juste un chrétien, juste une chrétienne. Tu ne veux pas te contenter de ça. Tu dois être rempli, tu dois être rempli et ensuite tu dois être conduit. Tu dois être conduit. On est resté longtemps dessus, on a expliqué c'est quoi être conduit, comment être conduit, c'est quoi être rempli, comment être rempli. Maintenant, quand on parle, quand on enseigne, il faut maintenant que tu le vives durant la semaine. Alléluia. Sinon, l'onction, on parle de l'onction, mais tu ne peux pas expérimenter l'onction. Ou bien juste de manière sporadique. Dis à ton voisin, il te faut l'onction. Tu dois naître de l'esprit, être rempli de l'esprit et être conduit par l'esprit. Amen. Et même à cette étape, être conduit par l'Esprit, en fait, le bénéfice de ça, c'est surtout pour toi-même. C'est surtout pour toi-même. Parce que tu es conduit, tu es rempli, tu es conduit. Mais il y a une quatrième étape, il y a un quatrième niveau dans notre relation avec le Saint-Esprit, c'est le fait d'être revêtu. Revêtu du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on parle de l'onction. Dis encore à un voisin, tu as besoin de l'onction. Et toi, voisin, réponds-lui, surtout toi. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. L'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. Tu n'iras pas en enfer. Tu appartiens à Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu manifestes donc le caractère de Christ. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Donc tu fais ce que Dieu attend de toi. Tu fais ce que tu dois faire. Et ensuite tu es revêtu de l'onction de Dieu. Et c'est là que tu commences à être une véritable source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Tourne-toi vers le voisin qui t'a dit, surtout toi, dis-lui, il te faut l'onction. Amen. Il te faut l'onction. J'ai dit, il te faut l'onction. Nous avons présenté 9 distinctions que l'onction apporte à la vie d'un chrétien. 9 distinctions que l'onction apportera dans ta vie. La première chose, c'est que l'onction va te faire sortir de l'anonymat. On a montré ça. L'onction te fait sortir de l'anonymat. Tu étais un anonyme et l'onction te fait sortir de l'anonymat. C'est l'onction qui a fait sortir Jésus de l'anonymat. Pendant 30 ans, c'était un anonyme. Un anonyme. Charpentier et anonyme.
L'onction va te faire sortir de l'anonymat. Ensuite, l'onction va te permettre de manifester la gloire de Dieu. L'onction va te permettre de faire des exploits et des prodiges. L'onction va te permettre de faire l'œuvre, c'est-à-dire de faire le travail de Dieu, pas juste de le faire, mais de le faire avec succès. C'est ça que l'onction va t'apporter. L'onction va faire de toi un solutionneur de problèmes. Tu vas solutionner des problèmes différents, des problèmes spirituels, des problèmes sociaux, des problèmes économiques grâce à l'onction. On a donné les exemples bibliques. Sixième chose que l'onction va faire, c'est que l'onction va te rendre crédible. L'onction va te donner de la crédibilité. L'onction rend une personne crédible. L'onction va te donner de l'audace. Là où tu étais peureux, peureuse, ou en tout cas peu audacieuse, l'onction va te donner de l'audace. Parce que quelqu'un qui sait qu'il a l'onction du Saint-Esprit sur lui, c'est quelqu'un d'audacieux. Tu ne veux pas le stopper? Alléluia! Dis à un voisin, il te faut l'onction. Dis-lui, je t'ai dit qu'il te faut l'onction. Dis-lui, arrête de te plaindre, il te faut l'onction. L'onction va t'apporter des persécutions et des tribulations. C'est ce qu'on a dit aussi. Oui, oui. Parce que l'onction te fait sortir de l'anonymat. L'onction te rend crédible. Mais l'onction attire aussi sur ta vie des persécutions et des tribulations. C'est ce qu'on a vu. Dis-lui, ça va avec l'onction. Ça va avec l'onction, c'est comme ça. Tu ne peux pas prendre le reste et puis laisser ça. Non, non, non. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc, il ne faut pas pleurer quand des gens vont commencer à te calomnier, à dire que tu as fait des choses que tu n'as pas faites, à dire que ce que tu as fait, on dit que ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et ce que tu n'as pas fait, on dit que c'est toi qui l'as fait. C'est ça? Oui, mais l'onction attire tout ça. Ah oui, l'onction attire tout ça. Oui, mais moi, je préfère rester tranquille, oh, mon ami. Rester tranquille. Rester tranquille, ça ne sert à rien, ça n'a aucun but. Tu dois manifester Christ. Il te faut l'onction. Et Jésus a dit, mais si tu peux acclamer le Seigneur, ne te laisse jamais intimider par quelqu'un qui est froid si tu veux acclamer le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Amen. Ah oui. L'onction attire sur toi des murmures, des critiques. Oui. On va salir ton nom à cause de l'onction. Oui. On va même parfois dire que non, il fait ça avec l'onction du diable, comme ils ont dit à Jésus. Oui, oui. Il y a des choses comme ça. L'onction attire sur toi l'opprobre. La persécution. Alléluia. Amen. Même si tu ne dis pas amen, l'onction attire sur toi la persécution. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais nous avons également dit que l'onction va aussi te garder et te protéger. Amen. L'onction va te garder et te protéger. Amen. Ah oui. Elle te permet d'accomplir, de faire l'œuvre de Dieu, mais en même temps, l'onction te protège, l'onction te garde. On ne lève pas la main comme ça impunément sur quelqu'un qui est loin de Dieu. Ouais. Qui est loin de Dieu. Amen. Nous avons dit donc la semaine dernière que l'onction, c'est d'abord une personne. Et que cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'onction, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. L'onction, c'est une personne. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Deuxième chose que nous avons dit, c'est que l'onction est également un revêtement. C'est un revêtement. C'est un revêtement. Ce n'est pas un vêtement. C'est un revêtement. Parce que lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible explique que tu as reçu un vêtement de justice. Un vêtement de justice. Tu avais d'abord un vêtement de condamné à mort. Un vêtement de condamné à mort. Ce vêtement-là, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau et Dieu t'a enlevé le vêtement de condamné à mort et il t'a donné un nouveau vêtement qu'on appelle le vêtement de justice. Alléluia. Tu es justifié. Quel que soit ce que tu as commis dans le passé, même si tu étais le plus grand menteur de Bruxelles, j'ai dit tu étais, pas tu es. Même si tu étais, c'est-à-dire, un adultère connu sur toute la terre. Là, les gens s'en sont calmes, ils disent pas trop. Même si tu étais un bandit, bagarreur, connu dans tous les quartiers. Quel que soit ce que tu as fait, à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
le vêtement de condamné, de coupable que tu avais a été enlevé et on t'a donné un vêtement de justice. Tu es justifié. On ne peut pas te jeter la pierre. On ne peut pas te jeter la pierre. Et même si quelqu'un te jette la pierre, évite la pierre, n'accepte pas. Amen. Tu es justifié. Tu es justifié. Quel que soit le nombre d'avortements que tu as fait. On t'a, ça, c'était, en fait, ce n'était pas toi, c'était l'ancien toi. Mais désormais, tu es une nouvelle créature d'une nouvelle création. Alléluia. Et donc, l'onction, on a dit, c'est une personne, mais l'onction, c'est un revêtement qui vient sur le vêtement de justice. Et ce revêtement, c'est un revêtement invisible parce que tu ne le vois pas. C'est comme le vêtement de justice, tu ne le vois pas. Mais l'onction, c'est un revêtement. Ce n'est pas un vêtement, c'est un revêtement. Et nous avons également dit que l'onction est une capacité surnaturelle. C'est une capacité surnaturelle. L'onction te rend capable de faire des choses que tu ne peux pas faire de manière naturelle. C'est ça l'onction. Et nous avons expliqué que l'onction ne se décline pas uniquement par la puissance. La plupart du temps, lorsqu'on entend parler de l'onction, on entend parler de la puissance de l'esprit, oui ou non ? Oui ou non? Et c'est vrai, l'onction, c'est aussi la puissance de l'esprit. Mais sauf que l'onction, n'est pas limitée uniquement à la puissance. Il y a beaucoup au milieu de nous, là. Il y a beaucoup au milieu de vous. En fait, vous êtes puissamment loin, mais vous ne le savez même pas. Parce que vous avez cru que l'onction était seulement la puissance. Non, dis à un voisin, en tout cas, tu es loin. Tu es loin. Oui, tu es loin. Après, dans l'onction, il y a aussi des grades, n'est-ce pas? Hein? En tout cas, tu n'es peut-être pas un colonel ou un général dans l'onction, hein? Mais dans tous les cas, tu es au moins première classe. C'est quoi le début? C'est première classe ou deuxième classe? C'est deuxième classe, ça non? Le premier grade, je ne sais même pas si c'est un grade, mais en tout cas, tu es au moins deuxième classe. Dis à ton voisin, dans tous les cas, tu es loin. Tu es loin. Tu es loin. Tu es loin. Parce qu'en fait, si tu n'étais pas loin, tu ne serais pas là. C'est la vérité. Si tu n'étais pas loin, tu ne serais pas là. Si tu n'étais pas loin, le jour où Dieu t'a sauvé, il t'aurait pris tout de suite. Il t'aurait récupéré tout de suite au ciel. Donc si tu as laissé, c'est pour faire une œuvre. C'est pour faire une œuvre qu'il a programmée pour toi. Et quand il te donne une mission, Dieu, lorsqu'il te donne une mission, il t'équipe aussi pour la mission. Alléluia. Donc dans tous les cas, tu es loin. Là, quand je vous vois, je vois une puissante armée d'hommes et de femmes ointes. Loin par Dieu, loin. Oui. Oui, oui. Mais beaucoup, vous êtes comme des soldats. Vous êtes soldats. En fait, il y a des armes qu'on a mises à disposition, que l'armée a mises à votre disposition. Il y a des armes, il y a des bazookas, il y a des fusils d'assaut, il y a des grenades, il y a toutes sortes de choses. Mais toi, tu te bats seulement avec ton petit couteau. Enfin, pas petit, mais comme Rambo. Hein? Alors que à côté de toi, il y a tout ça. Parce que tu ne réalises pas. Tu penses qu'en fait... est-ce que quelqu'un me suit? Dis à un voisin, tu es loin, toi? Alléluia. Nous avons expliqué que l'onction se manifeste sous plusieurs formes. Et la Bible nous explique qu'il y a sept formes différentes. L'onction n'arrive pas uniquement par la puissance. En fond, l'onction, ce n'est pas seulement la puissance. La Bible nous explique dans Ésaïe chapitre 11, c'est Ésaïe, Dieu a donné la révélation à Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, verset 2. La Bible nous explique que l'onction, en fait, c'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est l'esprit du Seigneur, c'est la première forme d'onction, l'esprit du Seigneur. Une onction qui se traduit par la capacité à régner, à dominer. Parce qu'un Seigneur règne, il domine. On parle de l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence, c'est une onction qui se traduit par la capacité à réfléchir. On parle de l'esprit de sagesse. Là aussi, c'est une forme d'onction. Et il y a plusieurs dans cette salle. Vous avez été revêtus de l'onction de l'esprit de sagesse, mais vous ne le savez pas. Mais en fait, vous avez déjà expérimenté ça, mais sans vous rendre compte que c'était une onction. Parce que vous avez manifesté pour plusieurs parmi vous beaucoup de sagesse. Oui, beaucoup de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est la capacité à agir de la bonne manière et selon le bon timing. Il y a l'esprit de conseil, il y a l'esprit de force, l'esprit de puissance, il y a l'esprit de connaissance et il y a l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia! Tout ça, c'est la manifestation de l'onction. Quand ça arrive dans ta vie, c'est la manifestation de l'onction. Et nous avons terminé en disant
qu'il fallait faire attention. Pourquoi? 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 Parce que le diable aussi a une onction et il donne son onction. Ah oui, le diable aussi donne de l'onction. Il a une onction et il donne de l'onction. On l'a expliqué. On ne va pas revenir dessus, mais on a vu le passage de Matthieu chapitre 12, versets 27 à 28. Amen. Amen. Le diable donne de l'onction. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. La Bible dit que l'apparition de l'antéchrist, l'apparition de cet impie, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, c'est-à-dire par l'onction de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un réaliser des prodiges, des miracles, faire des choses extraordinaires, que ça lui vient de l'onction de Dieu. Ça peut aussi venir de l'onction du diable. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que quand le diable donne son onction, quand il donne son onction, il réclame aussi beaucoup de choses derrière. Beaucoup de choses. Il réclame beaucoup de choses. Et il y a plusieurs personnes. Et ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. Ce n'est pas qu'en Afrique. Il y a des gens qui pensent que, oh non, les histoires d'occultisme profond, là, c'est en Afrique. Là. Non, mon ami, ici aussi. Ici aussi. En fait, sur toute la surface de la Terre. Ah, surtout en Inde. Pas surtout en Inde. Surtout en Chine, pas surtout en Chine, partout, partout. Sauf que le déguisement n'est pas le même. Il y a des endroits où c'est face à face. On te dit ici, voilà, ici là, lui là, c'est le chef du village et lui c'est le plus grand sorcier de la région. Et lui il dit c'est vrai. Lui-même il dit c'est vrai. Vous voyez non? Mais ici là, ils ne vont pas dire c'est vrai, mais ils sont terribles. Et ça existe depuis longtemps. Hein. Vous pensez que les druides, vous avez déjà entendu parler des druides? Les druides, vous pensez que c'était quoi? Quand l'onction te donne, quand le diable te donne sa puissance, quand il te donne son onction, en même temps il réclame quelque chose après. Il réclame. Au début c'est des petites choses. Envoie un poulet, après envoie un poulet bleu. Ah, donc ça devient un peu plus compliqué. Après envoie un poulet vert, voilà. Après envoie un œuf de, je sais pas, un truc que tu peux pas trouver. Il dit envoie. Et après qu'est-ce qu'il commence à demander? Plus les gens qui sont dans l'occultisme là, plus ils montent, plus le diable leur réclame d'autres choses. Il dit maintenant. Envoie ta femme. Hein? Oui, envoie ta femme. Ah oui, ils ont des hiérarchies là-bas. Ah oui. Et celui qui est au-dessus de toi, s'il te dit, si tu veux monter, envoie ta femme. Moi, je veux connaître ta femme et puis ça va te faire monter. Hein? Oui, mais mon ami, quand le diable te donne quelque chose, il te demande aussi quelque chose derrière. Et après, il demande quoi? Il va dire... tu as une fille, non? Oui, mais tu as vu son âge. Envoie ta fille. Le diable ne rigole pas. Et après, il va aller jusqu'à dire, envoie, maintenant il va aller jusqu'à dire, maintenant il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Si tu veux monter dans un autre niveau de puissance et de gloire, il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Envoie du sang. Et donc ceux qui veulent monter à ce niveau-là, au départ, ils disent, bon, je peux trouver un clochard dans la rue et puis envoyer le sang. Il dit, tu dois envoyer le sang de quelqu'un avec qui tu as une relation, une connexion. Soit une connexion familiale ou en tout cas, il faut une connexion. Et c'est là que vous voyez, il y a des familles, je vous dis. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez constaté. Il y a des familles où il y a des gens qui sont dans des pactes compliqués avec le diable chaque année. Parce que chaque année, il faut renouveler l'alliance. Chaque année, il faut renouveler l'alliance. Chaque année. Et si tu ne renouvelles pas l'alliance, c'est toi qui pars. C'est toi qui meurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous commencez à... C'est pour ça qu'il faut prier. Il ne faut pas laisser rentrer des sorciers dans votre famille. Ils vont vouloir manger vos enfants. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il te faut l'onction. C'est ça qu'il te faut l'onction. Et donc, vous voyez des familles...
le neveu part. Surtout en cette période de fin d'année-là. Parce que, vous savez, ils suivent aussi les cycles. Hein. Fin d'année, il faut préparer l'année d'après. Mais c'est sérieux ce que je dis. Si tu ne connais pas ça, si tu n'as pas ça dans ta famille, gloire à Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Novembre, décembre, là ça va commencer. Et puis ils ont instauré la fête des morts. Mais quand on dit, il faut ouvrir les yeux. La fête des morts, quelle mort? Les morts passés ou les morts qui vont venir après? Ouvrez les yeux. Ils font la fête pour préparer les morts qui vont venir après, pour leurs alliances sataniques. C'est pour ça qu'il faut, mon ami, je vous annonce déjà. Le 11 novembre, c'est un jour férié, n'est-ce pas? Le 11 novembre, on a 24 heures de prière ici. On a 24 heures de prière ici. Alléluia. Il faut empêcher les plans diaboliques de s'accomplir. Et donc je disais, il y a des familles, donc vous voyez, quelqu'un, le neveu part, il meurt. Comme ça, il n'avait rien, aucun signe avant-coureur. Boum, il part. L'année d'après, c'est la nièce. Après, c'est la cousine. Après, chaque année. Il y a des gens comme ça, ils ont fait des pactes et ils déciment toute leur famille. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon... Parce que quand on rentre là-dedans, il faut d'abord bien expliquer avant. J'allais vous dire comment on reconnaît des gens comme ça dans votre famille, mais bon, sinon... Si, j'ai pas le temps de tout expliquer. Si je n'explique pas tout, vous allez risquer de dire « Ah, toi là, c'est toi, hein, c'est toi !» Non. Je vais pas être à l'origine de conflits familiaux. Mais quand Dieu permettra, on vous expliquerait. Hein? Et ça ne veut pas dire qu'il faut aller les tabasser. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Amen. Mais en même temps, la Bible dit que nous devons connaître les desseins du diable, comment ils fonctionnent. Oui, c'est important. C'est ruse, c'est stratégie. Il faut connaître. Que quelqu'un les amène à ça. Donc c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu, la puissance, l'onction, que c'est forcément la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? À quoi sert l'onction? À quoi sert l'onction? C'est ce que nous voulons voir maintenant aujourd'hui. À quoi sert l'onction? Ou encore, dans quel domaine intervient l'onction que Dieu nous donne? Bien aimé, l'onction sert à exécuter, à mener une mission divine spécifique. Une mission qui est ordonnée, une mission qui est commandée par Dieu lui-même. L'onction sert à accomplir une mission que Dieu a donnée ou que Dieu a commandée. Quand tu comprends ça, tu comprends que utiliser l'onction en dehors de la mission, ça s'appelle un détournement d'onction. On peut appeler ça un détournement d'onction. L'onction représente une ressource utile que Dieu te donne pour accomplir une mission qu'il t'a confiée. Une mission que tu ne peux pas mener à bien avec tes propres forces et avec tes propres capacités. Et c'est la raison pour laquelle il te donne l'onction. Amen. Dis à un voisin, tu as besoin de l'onction, toi. Bon, si c'est un papa, il faut pas dire comme ça. Hein? Avec sagesse, vous avez besoin de l'onction. Vous. Amen. Il pourrait être ton grand-père et puis tu lui dis, tu as besoin de l'onction, toi. Quand même, il faut un peu de discernement. Quand je dis quelque chose, il faut l'adapter avec sagesse. Amen. Vraiment. Ah, les chrétiens. L'onction vient à ton secours face à des exigences qui dépassent tes capacités physiques. L'onction prend le relais face à des exigences qui vont au-delà de tes capacités spirituelles et de tes capacités intellectuelles. Parce que l'onction, ce n'est pas uniquement pour agir dans le spirituel. L'onction agit aussi dans le naturel. L'onction agit dans différentes choses. Dans l'intelligence, l'onction agit aussi. Sagesse, discernement, l'onction agit. Alléluia. Dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, ce passage que nous lisons et relisons dimanche après dimanche, Jésus dit ceci, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et à quel âge, à quel moment il fait ça? Il fait ça à peu près à l'âge de 30 ans, après s'être fait baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Amen. Et c'est là qu'il dit, maintenant, il dit, maintenant, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Avant, il n'était pas sur lui. C'est lorsqu'il est sorti de l'eau du baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui sous une forme corporelle semblable à une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il y a des gens qui quand on a dit semblable, on a dit semblable à une colombe. On n'a pas dit que c'est une colombe. Il ne faut pas faire comme ce chrétien qui avait dit à son pasteur, à la fin du culte, il voulait à tout prix voir le pasteur. Et le pasteur l'a reçu, il dit, pasteur, j'ai le Saint-Esprit à la maison. Le pasteur lui dit, mais je sais, Saint-Esprit avec toi. Il dit, pasteur, je vous dis que j'ai le Saint-Esprit à la maison. Il faut venir voir. Il dit, il a tellement insisté. Le pasteur est arrivé. Et puis il dit, il avait une colombe dans une cage. Il dit, voilà, le pasteur a dit, vraiment. Et dans beaucoup de livres chrétiens, tout ça là, dès qu'on parle du Saint-Esprit, souvent on met une colombe. Mais on n'a pas dit c'est une colombe. Semblable à une colombe. C'est-à-dire que sous une forme corporelle, ça ressemblait à une colombe. Ce n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et c'est à partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur Jésus qu'il a pu maintenant dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, etc. 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 » Donc Jésus parle de l'onction comme d'un revêtement surnaturel qu'il a rendu capable de faire toutes les choses qu'il a citées dans ce passage. Oui ou non? Et ça signifie qu'avant l'onction, il n'était pas en mesure de faire tout ça. Si tu me suis, dis-moi amen. Alléluia. En fait, je ne vous ai pas donné le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est 10 choses que l'onction permet de faire. 10 choses. On ne verra pas tout aujourd'hui, on va commencer et on continuera prochainement. Mais aujourd'hui, nous voulons commencer à voir ça. C'est 10 choses que l'onction permet de faire. Dis à un voisin, il te faut l'onction. Bon, maintenant, tourne-toi. Ah non, mais si tu te tournes, tout le monde se tourne, après c'est compliqué. Bon, un autre voisin qui est là, un peu plus loin, dis-lui, il te faut l'onction. Voilà, il faut l'onction. L'onction, c'est pour une mission. Dieu ne donne pas son onction en vain et pour rien. Dieu donne l'onction pour nous permettre d'atteindre un but, un objectif précis. Première chose que l'onction permet de faire, première chose, l'onction, ce n'est pas juste la puissance. L'onction sert d'abord à enseigner. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et ça, tu peux vraiment bien le noter. En fait, nous devons comprendre à quoi sert l'onction pour ne pas croire que l'onction est limitée à juste une seule chose. Et si tu comprends à quoi sert l'onction, dans quel domaine l'onction agit, hein, plus tu comprends ça, et plus tu vas réaliser combien de fois Dieu t'a oint. Amen. Tout d'abord, l'onction donc sert à enseigner. À enseigner, mais à enseigner toutes choses. Ça, c'est par l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation. 1 Jean chapitre 2, verset 20. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu quoi? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction et cette onction vous a apporté quoi? La connaissance. Dis à un voisin, l'onction enseigne. Et quelques versets après, l'apôtre Jean va encore plus loin. Et il précise la première chose que l'onction de Dieu permet de réaliser. Il dit au verset 27, on continue verset 27, 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'est-ce qui enseigne? L'onction. Il dit, son onction vous enseigne quoi? L'onction enseigne, et l'onction enseigne quoi? Qu'est-ce que l'onction fait?
Elle fait quoi? Elle enseigne quoi? Qui fait ça? L'onction. Alléluia. C'est l'onction. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction enseigne. La première chose que l'onction fait, c'est enseigner. L'onction, ce n'est pas juste je te touche et tu tombes. Je t'impose les mains, tu tombes. Je souffle. Mon ami, ça aussi, c'est l'onction. Mais ce n'est pas que ça. Amen. Ce n'est pas que ça. L'onction enseigne, mon frère. Parfois, personnellement, je me retrouve à méditer sur un sujet. Je suis en train de méditer sur un sujet, sur un thème. Je médite, je réfléchis dessus, je cherche des réponses, je questionne le Seigneur, je cherche des réponses. Et subitement, alors que je m'y attends pas forcément, subitement, ça arrive soudainement, l'onction de Dieu me saisit et commence véritablement à m'enseigner, frère. C'est comme si je sens, voilà, on me saisit, et à ce moment-là, en fait, tout commence à devenir fluide. Dans mon âme intérieure, dans mon esprit, tout commence à devenir fluide. Ça devient fluide. Ça coule comme de l'eau dans une rivière. Ça coule. Et le Saint-Esprit me donne les différents points à aborder par rapport à ce thème-là. Hein? Prochainement, il faudra parler de ça. Et il me montre, voilà, premier point, deuxième point. Après, il me montre tel verset, tel passage biblique, tel souvenir, telle anecdote. Et ça, mais parfois, ça vient comme ça d'un coup. Pouf! Et parfois, pour retenir tout ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je prends souvent mon téléphone et puis j'enregistre. J'enregistre. Parce que même pour écrire là, parfois, c'est trop. Donc, j'enregistre parce que je parle plus vite que j'écris. Amen. Et quand ça arrive comme ça, je suis moi-même impressionné. Et je sais que cela ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas la source de ça. Parfois, ça vient en un seul bloc, comme j'ai dit. Mais je ne suis pas la source de ça. Et c'est souvent, mon frère, ma soeur, c'est souvent comme ça que je reçois les messages. C'est souvent comme ça que je reçois les prédications de la part de Dieu. Avant, je ne réalisais pas que c'était le fruit de l'onction. Je savais que ça venait du Saint-Esprit. Amen. Mais je ne savais pas. Je n'avais pas, comment dire, la précision que ça provenait de l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est l'onction. Dis à un voisin, c'est l'onction. L'onction enseigne. Et je vous dis encore une chose, très souvent même, c'est pendant la prédication, c'est pendant que je suis là, j'ai le micro, et lorsque je vous parle, c'est pendant que je vous parle que l'onction m'enseigne encore sur certaines choses. Ah oui? C'est-à-dire que des versets que j'avais lus, des versets que j'avais notés, des versets que j'avais déjà préparés pour appuyer mes propos devant vous, en fait, ces versets-là, ces mêmes versets, au moment où on dit, où je donne le verset et qu'on le lit, à ce moment-là, ça m'arrive souvent, à ce moment-là, c'est comme si le verset s'ouvre soudainement. Il s'ouvre. Et je comprends des choses profondes que je n'avais pas comprises avant de présenter le verset. Je vous dis, ça encore, c'est l'onction. C'est l'onction. Soudainement, il s'ouvre. Et je comprends des choses profondes. Mais, en live, devant vous, mais en même temps, je suis personnellement très édifié, mais je ne peux pas toujours tout vous dire. Pourquoi? Parce que parfois, il faut un peu de recul pour bien comprendre, pour bien asseoir ces choses avant de les enseigner. Amen. Mais parfois, en même temps, je lis le verset ensemble. Le verset s'ouvre. Il y a quelque chose que je n'avais jamais vu. Le Saint-Esprit montre. Et parfois, je le dis en même temps. Mais ce n'était pas dans mes notes. Dis à un voisin, ça c'est l'onction. L'onction enseigne. Alléluia. L'onction enseigne. Et je suis persuadé. Je le sais. Je le crois au plus profond de moi. Et de toute manière, je le sais. Parmi vous là,
parmi vous. Le Seigneur, il y a plusieurs. Le Seigneur vous a revêtu d'une onction d'enseignement puissante. Puissante. Je vous dis, puissante. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tout de suite les galons de général, mais vous avez cette onction-là. Et il faut maintenant l'entretenir et la développer. Et on verra dans les prochaines semaines comment on conserve l'onction, comment on développe, comment on augmente l'onction. Parmi vous, là, c'est fort. Dis à ton voisin, waouh, tu es fort. Et dis-lui, c'est quoi cette jalousie? Dis-lui, tu es fort par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. On dirait que tu doutes de ton voisin. On dit à ton voisin, tu es fort. Oh, lui, là, il est fort comment? Mon ami, il est fort par le Saint-Esprit qui est en lui. Elle est forte par le Saint-Esprit qui est en elle. Amen. Il y en a ici, là, vous avez une onction. Et puis, il y en a parmi vous, vous êtes plus ou moins conscient de ça déjà. Il y en a d'autres, vous n'êtes même pas encore conscient, mais quand vous allez comprendre certaines choses, vous allez vous mettre à parler, à enseigner. Vous allez voir, c'est comme si vous n'aviez pas prévu, il y a des choses que vous n'avez pas prévu de dire. Hein? Mais l'onction vous saisit et le Saint-Esprit va vous enseigner. Et quand vous allez ouvrir la bouche, pas forcément devant des centaines de personnes, mais même devant une personne, deux personnes, devant quelques personnes, quand vous allez ouvrir la bouche, c'est-à-dire que l'onction qui va se manifester par l'enseignement que vous allez donner par votre bouche va libérer les gens. Ça va libérer les gens. Alléluia. S'il te plaît, repens-toi, tourne-toi vers un voisin et dis-lui, je me repens de t'avoir sous-estimé, pardonne-moi. Voilà. Si ton voisin t'a rien dit, c'est que c'est l'orgueil qui est encore en lui. Un voisin qui n'a rien dit, c'est l'orgueil, là. Deuxième chose que l'onction fait. Deuxième chose. On a dit que d'abord, l'onction sert à enseigner. À enseigner toutes choses. Toutes choses. Deuxième chose que l'onction permet, c'est que l'onction permet de détruire les œuvres des ténèbres. L'onction permet de détruire les œuvres des ténèbres. À travers l'esprit de force, l'esprit de puissance. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 7. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 7. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Ajazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu. Que quelqu'un dise Jéhu. Jéhu. Il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi. Bon, chacun a son nom. Hein. Fils de Nimshi. Que l'Éternel avait oint, pourquoi? Pour exterminer la maison d'Akab. Il a été oint, pourquoi? Pour exterminer la maison d'Akab, c'est-à-dire pour détruire les œuvres des ténèbres. Samson aussi. Samson a été oint pour détruire l'emprise des Philistins sur les enfants d'Israël. Juges chapitre 13, verset 5. Juges 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Dis-moi amen. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Parenthèse, rappelez-vous toujours, on ne tombe pas enceinte, on devient enceinte. On entend les gens, ils disent tomber enceinte. On ne tombe pas enceinte. Tu peux tomber par terre, tu peux tomber d'une échelle, tu peux tomber d'une grue, je ne sais pas. Hein? Mais tu peux tomber des escaliers, mais tu ne tombes pas enceinte. Tu deviens enceinte. Amen. Mais je suis tombée enceinte. Non, tu es tombée dans le péché et tu es devenue enceinte. Ça oui, mais on ne tombe pas enceinte. Mm-hmm. Pose la question à ta voisine. Pourquoi tu n'as pas dit amen, toi? Alléluia. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Parenthèse. Je vous invite à faire comme moi, être comme moi. Vous avez, regardez, qui donne à une femme de devenir enceinte? Hein? Oui, l'homme, oui, mais qui donne? C'est Dieu, n'est-ce pas? Amen.
Ok? Donc, ce que Dieu donne, est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas ce qu'il donne? Est-ce que vous pensez que Dieu, quand il donne, il ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, il attend le résultat du gynéco? C'est-à-dire que du haut du ciel... Dieu attend. Bon, c'est un garçon ou une fille? Ah, là, le gynéco hésite. Ah, suspense, au ciel. Dieu donne et il sait ce qu'il donne. Moi, j'ai deux enfants. C'est jamais le gynéco qui m'a dit si c'est un garçon ou une fille. Ah, tu es calme. Tu es un chrétien né de nouveau. Le Saint-Esprit est en toi et tu attends que le gynéco... Ça dit que suspense, chérie. Alors, monsieur le gynéco, c'est un garçon ou une fille? Alors, je vais vous donner la révélation, madame. C'est une fille! Mais attends. L'ange que Dieu a envoyé, il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mon frère, ma soeur, si tu veux, tu peux attendre, il n'y a pas de problème. Tu peux attendre que le gynéco te dise. Mais moi, j'ai un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Amen. Jamais. Je ne peux pas attendre qu'un gynéco me dise. Le gynéco va juste confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui est tranquille, qui est calme parce que lui, il a attendu. Quand tu sais, tu te prépares même en conséquence. Alors, on va peindre la chambre comment? En rose, en jaune ou en bleu? Voilà, c'est ça? Orange, commencez par orange. Ah, Seigneur, aide-nous. Samson a été loin pour détruire l'emprise des Philistins sur les enfants d'Israël. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Comment? Avec ses propres forces? Non. Avec l'onction. Alléluia. Avec l'onction. L'onction permet de détruire les œuvres des ténèbres. Dans 1 Jean chapitre 3, au verset 8, la fin du verset 8, 1 Jean chapitre 3, au verset 8, la fin du verset 8 dit ceci, « Le Fils de Dieu... » Jésus-Christ, le Fils de Dieu a paru afin de quoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il a commencé à le faire quand? À quel moment il a commencé à le faire? À partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur lui. À partir du moment où l'onction de Dieu est venue sur lui. Avant, il ne le faisait pas. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit l'a revêtu d'une onction, là, il a commencé à détruire les œuvres du diable. Alléluia. L'onction te permet de détruire les œuvres des ténèbres. Tu as une onction. Dis à un voisin, tu as une onction. Tu as une onction. Tu as détruit les œuvres des ténèbres. Tu as une onction. Je te dis, tu as une onction. Tu vois que dans le lieu dans lequel tu travailles, dans ton contexte de travail, tu vois que c'est un contexte compliqué. Un contexte compliqué où les gens se déchirent les uns les autres. Les collègues ne s'aiment pas. Il y a de l'animosité. Il y a des conflits. Il y a même parfois même des... Moi, j'ai vu, hein. Des hommes, des 50, 45 ans, 50 ans, en venir aux mains au travail. Des cravatés. Hein? Père de famille. Non mais, franchement. Dis à ton voisin, tu as une onction. Cette onction-là, elle enseigne, mais cette onction-là aussi, elle détruit les œuvres des ténèbres. Quand tu es dans un contexte comme ça, tu arrives au travail. Hein? Tu arrives au travail. En fait, c'est toi la lumière. J'ai dit, c'est toi la lumière. Alléluia. C'est toi la lumière. Et Jésus a dit, étant donné que nous sommes une lumière, tu ne peux pas rester caché. Tu dois luire dans les ténèbres. Tu dois luire dans les ténèbres. Viens plus tôt de temps en temps. Quand tu vois que le contexte est compliqué, viens plus tôt. Tu viens plus tôt. Parce que tout a d'abord une source spirituelle. Tu viens plus tôt le matin, tu viens plus tôt. Tu viens plus tôt, tu rentres là où tu es. Je ne sais pas, est-ce que c'est un hangar? Est-ce que c'est une usine? Est-ce que ce sont des bureaux? Tu rentres, tu viens plus tôt. Sondaka Rebashakata, Rembo Sokotaya. Et puis tu commences à terrasser tous les esprits d'animosité, les esprits qui mettent les gens en colère jusqu'à ce qu'ils en viennent aux mains.
J'ai dit, tu as une onction. Toi, tu dois détruire les œuvres des ténèbres. Tu dois détruire ça. Et tu viens, tu parles, tu confesses. Et quand les collègues arrivent les uns après les autres, ils te trouvent là. Ah, tu es déjà là? Oui, je suis là. Ça va? Tu n'arrivais pas à dormir? Non, je ne sais pas que je n'arrivais pas à dormir. Je faisais de l'exercice, en fait. Et ça a été l'exercice. Oui, très bien. Tu as perdu quoi, des calories? Non, ce que j'ai perdu, ce que j'ai chassé, ce n'est pas des calories, c'est autre chose, mais ça va. Amen. Dis à un voisin, tu as une onction. Et tu dois luire. Alléluia. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que les anges qui sont avec toi, chacun de nous a au moins, Dieu a affecté au moins un ange. Il y a au moins un ange. Il y en a d'autres, c'est plusieurs anges. Mais tu as au moins un ange. Et plus dans cette salle, il y a plusieurs anges qui sont avec vous, qui sont affectés, qui sont avec vous. Et maintenant, les anges, vous savez, les anges travaillent. Amen. Ce n'est pas des fainéants. Ils travaillent. Ils ont besoin de mission. Ils ont besoin de mission au quotidien, ils ont besoin de mission. Mais maintenant, si toi, tu ne fais rien, tu ne détruis pas les œuvres. Et puis, les anges aiment détruire les œuvres du diable. Ah oui, ils aiment ça, détruire les œuvres du diable. Mais sauf que ce sont comme des soldats très disciplinés. Tant qu'il n'y a pas un ordre qui vient, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation qui est là. C'est comme les gardes qui sont devant le palais à Londres, là. Hein, de Buckingham, là, Buckingham Palace, là. Ils sont là. C'est-à-dire que même s'il y a une situation compliquée, ils ne peuvent pas bouger. S'ils bougent, licenciés. Pour ne pas dire fusillés. Mais donc, ils peuvent voir une situation compliquée, mais ils ne peuvent pas agir tant qu'il n'y a pas une instruction. Amen. Et comment l'instruction arrive? L'instruction arrive à partir du moment où tu ouvres la bouche. À partir du moment où tu ouvres la bouche, où tu pries, tu déclenches quelque chose, tu proclames quelque chose, tu décrètes quelque chose. Et ce décret-là, il monte devant le trône de Dieu. Parce que c'est Dieu qui régule et qui coordonne le ministère des anges. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui priait ici. Il dit, c'était une sœur. Elle dit, je déclenche le ministère des anges. Je les envoie. Il dit, et à la fin, je l'attendais. À la fin, j'ai dit, j'ai dit, attends, viens un peu ici. J'ai dit, ah bon, toi, tu commandes le ministère des anges. Ah, pasteur, tu commandes le ministère des anges. La Bible dit dans le livre de Hébreux que les anges sont des esprits au service de Dieu. Oui, des esprits au service de Dieu qui exercent un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. Ils sont au service de Dieu, c'est Dieu qui coordonne tout ça, c'est pas toi. Toi, tu peux commander l'ange Michael? Tu peux commander Michael, come on! Tu peux lui dire ça, toi? Non, toi tu pries, toi tu proclames, toi tu décrètes, toi tu appelles à l'aide, et puis Dieu sait quel ange il va t'affecter. Voilà. Et ça va aussi dépendre de ta stature. Ça va aussi dépendre de où tu es. Où tu es. Est-ce que tu es dans le couloir de ta destinée, c'est-à-dire tu es sur le chemin que Dieu a prévu pour toi, ou est-ce que tu es en dehors du chemin? Il y a des gens qui sont en dehors du chemin. Eh, Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Aide-moi. Bon, là on dit, bon, ça... Bon, envoyez-lui quand même un ange, là, je sais pas, trouver quelqu'un qui va aller. Mais quand tu es dans le couloir de ta destinée, mon gars, c'est des renforts terribles. C'est des renforts terribles. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi et tu as une adversité. Et comme tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, t'inquiète pas, l'adversité, là, il va déclencher une division, mon frère. Tu vas voir une escorte, tu vas voir dans le monde invisible, les démons qui t'embêtent, les montagnes là, ils vont voir arriver des anges qui arrivent comme ça, une colonie d'anges, une colonie angélique. Faut pas jouer. Quand tu prends l'avion avec quelqu'un qui est loin. C'est plus sécurisant. Hein. Qui est loin, quelqu'un qui est loin. Il est loin quand tu... Quand tu sais que... Est-ce qu'il est rentré dans l'avion? Est-ce qu'il est rentré dans l'avion? Ah non, finalement, il a dit... Je sors!
Quelqu'un me suit? Alléluia. Quand tu parles, c'est Dieu qui déclenche maintenant. C'est Dieu qui envoie et il sait qui a envoyé. Amen. C'est comme Daniel. Daniel a fait une prière à Dieu, il attendait l'exaucement, mais ce qu'il n'avait pas compris, il l'a compris lorsque l'ange est venu. Et l'ange lui explique, en fait, Daniel, tu attends depuis longtemps, mais en fait, dès que tu as commencé à prier, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Et c'est par moi qui t'envoie la réponse. Et donc, je suis venu directement, quand tu as prié, je suis venu, ça c'est un ange qui lui parle, hein. Et je suis venu, mais bon, le problème c'est que, bon, tu vois, moi je ne suis pas Michael. Donc, quand je suis venu là, j'étais stoppé au deuxième ciel par un esprit satanique, hein. Hein, le prince de Perse qui m'a bloqué là-bas. Et donc j'étais en train de lutter avec lui. Et donc, voilà. Et c'était un peu dur. Mais bon, comme Dieu a vu ta persévérance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant, Michael, come on, vas-y. Et donc Michael est venu, l'ange Michael est arrivé. Et ça a été un renfort de poids pour ce premier ange-là. Et quand l'ange Michael est arrivé, l'ange Michael, en tout cas, on ne sait pas si, la Bible ne dit pas si, le fait d'arriver, le prince de Perse est parti, ou bien si, le fait qu'il arrive, il a fait oh, oh, et il est parti, ou bien s'il lui a donné peut-être un petit coup, ou bien s'il y a eu un combat, mais dans tous les cas, il est parti. Amen. Et rapidement, le premier ange qui avait été bloqué, il est venu maintenant pour apporter la réponse. Amen. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Il y a au moins un ange qui est avec toi. Amen. Au moins un. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Élisée, il y avait une colonie angélique. Le serviteur était, il paniquait. Il dit, mais on va mourir. Élisée regarde, il dit, mais voilà, un incrédule comme ça. Il dit, petit, reste tranquille. Mais tu vois pas là, tu vois pas, ils sont tous là. Les chars de l'armée de l'armée ennemie. Les chars, tout est là, les missiles, les kalachnikovs, les bazookas, tout est pointé vers nous. Et toi, tu t'inquiètes pas? Il dit petit. Petit. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, lui-même, il s'est rassuré. Il dit, oh, Okoramata Tayaka, Reboso Tonori Baba. Il a commencé à danser. Pourquoi? Parce qu'il y avait les anges qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient, que l'ennemi, les ennemis qui étaient là. Mais ces anges-là, t'inquiète pas, ils étaient pour assigner la protection de Élisée, pas l'autre incrédule. Mais comme il était connecté à Élisée, tu vois, il bénéficie aussi de. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. C'est comme ça. Tu dois détruire les œuvres des ténèbres. Tu as été loin pour ça. Tu as été loin pour ça. Dis à un voisin, tu as reçu l'onction. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tu as été loin. Tu as été ointe, ma soeur. Tu as été loin. Tu as été ointe. Tu n'es pas là pour amuser la galerie. Tu n'es pas là pour chauffer les bancs. Non, tu as été ointe pour quelque chose. Et tu dois briller. J'ai dit, tu dois briller. Tu dois briller. Si tu respires, tu es né de nouveau et tu respires, ça veut dire que tu as été loin et que tu dois utiliser cette onction que Dieu t'a donnée pour détruire les œuvres des ténèbres. Plusieurs, on verra le reste, les autres choses que l'onction permet de faire, mais plusieurs au milieu de vous, de nous, au milieu de vous, je vous le dis, vous avez reçu une onction spéciale d'enseignement. Oui, oui. Il faut en être conscient et il faut développer ça. Et c'est ce que nous verrons dans les prochains jours. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu peux te tenir debout, tu vas te tenir debout. Ensemble, nous allons dire Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu et dire merci au Seigneur pour l'onction. Nous devons briller. Nous devons briller. Nous devons briller. Alléluia.